Bonjour. Dans le cours de ce module semestre S3, on va voir les principaux problèmes économiques et sociaux contemporains. On va voir les problèmes de croissance, de chômage, d'inflation, de développement durable, de la pauvreté et des inégalités sociales, la balance du paiement et enfin, les politiques économiques qui sont considérées comme des mesures pour faire face aux différents problèmes. On va commencer tout d'abord par le problème de la croissance économique. La question qui se pose, pourquoi la croissance économique? Car la majorité des pays, sinon le monde entier, vit une période de récession et de crise économique depuis 1973, date du premier choc pétrolier, ensuite la crise des subprimes en 2008 qui a déclenché une crise financière mondiale, commençant par une crise bancaire aux États-Unis, il s'est propagé aux principaux pays partenaires des États-Unis. Cette crise bancaire a eu des effets négatifs sur les économies mondiales en fonction de leur intégration et ouverture sur le commerce extérieur. Ensuite, il y a eu une crise de la dette souveraine qui a engendré un chômage de masse, car c'est l'État qui recrute le plus dans le cadre de la fonction publique. D'où apparaît la croissance comme une solution pour lutter contre le chômage, réduire l'inflation, réduire la pauvreté et les inégalités, et enfin pour réduire la dette souveraine. Avant de commencer n'importe quel problème, on doit tout d'abord s'intéresser aux fondements théoriques de ce problème. Dans notre cas, on doit s'intéresser aux fondements théoriques de la croissance économique. Le problème de croissance économique occupait déjà une place importante dans les questions que se posaient les initiateurs et les fondateurs et les pères de la pensée économique classique. Adam Smith, David Ricardo, Malthus. Parmi les initiateurs de l'économie politique moderne, Adam Smith, 1776, attribue la création de la richesse au gain de productivité généré par la division du travail. Donc, selon Adam Smith, seul le travail explique la création de richesse et donc la production. Selon Adam Smith, l'intervention publique est improductive, bien qu'il considère que les infrastructures publiques constituent et contribuent à l'élargissement de la taille du marché qui est considéré comme le seul régulateur de l'activité économique à travers la relation offre et demande. Ensuite, Robert Malthus, 1798, dans son ouvrage « Essai sur le principe de population », il considère que les possibilités de la croissance économique sont limitées à cause de l'augmentation plus que proportionnelle de la démographie par rapport à l'économie. En effet, il considère que la population augmente selon une progression géométrique et la production augmente selon une progression arithmétique. En 1819, David Ricardo considère que la croissance trouve son origine dans l'accumulation du capital physique, c'est-à-dire les machines, les moyens de production
qui sont mis à la disposition des travailleurs. Ensuite, Karl Marx, 1867, dans son ouvrage « Le Capital », il considère que les possibilités et les occasions de la croissance économique sont limitées dans le mode de production capitaliste à cause de la baisse tendancielle des taux de profit, ce qu'il appelle le déterminisme marxiste. C'est que le système capitaliste est voué à sa disparition à cause des disparition des occasions de profit. Ensuite, John Maynard Keynes, il considère que la production est expliquée par la combinaison de deux facteurs, le facteur capital et le facteur travail. Ce qui donne une situation, selon l'auteur, de croissance stationnaire, ou bien qu'il qualifie de d'état régulier, c'est que il considère qu'à court terme, les deux principaux facteurs de production sont faiblement substituables. On ne peut pas substituer le facteur capital au travail. Par la suite, des postes keynésiens tels que les économistes macroéconomistes Domar et Harrod vont transposer en longue période l'approche keynésienne de courte période sur la stabilité de l'activité économique. En effet, Domar et Harrod vont considérer eux également que les facteurs capital et travail sont faiblement substituables, mais ils vont transposer l'approche keynésienne sur une longue période. Et les deux auteurs considèrent eux également que les possibilités de croissance économique dans les pays capitalistes sont limitées. Par la suite, Solow et Swan, en 1956, ils vont rejeter le modèle de Domar et Harrod, qui avance la fixité des facteurs de production. C'est-à-dire, selon eux, les deux facteurs, travail et capital, sont substituables. En plus, ils vont intégrer dans le modèle, c'est-à-dire la fonction de production en fonction des facteurs capital et travail, ils vont lui ajouter le progrès technique, mais en tant que variable exogène, c'est-à-dire expliquée par des facteurs non économiques, ou bien comme une variable résiduelle. C'est pour trouver une explication au progrès technique que les nouvelles théories de la croissance économique, appelées théories de la croissance endogène, vont voir le jour au milieu des années 80. Parmi les initiateurs de cette nouvelle théorie de la croissance endogène, on trouve Paul Romer, Robert Lucas et Robert Barrow, qui expliquent le progrès technique comme résultant des facteurs internes à l'économie. Les auteurs de la théorie de la croissance endogène vont distinguer quatre facteurs explicatifs. Le capital physique privé, machine, par exemple, le capital humain, ce sont les travailleurs, le capital public, sous forme d'investissement dans l'infrastructure, l'éducation, et le progrès technique. Le dernier facteur, le progrès technique, il exerce des externalités positives sur la croissance à long terme. Une fois qu'on a vu les explications théoriques, donc
on a dans un premier temps distingué entre le premier économiste qui a expliqué la production et la croissance par un seul facteur de travail, Ricardo, par un seul facteur capital, Keynes, la combinaison du facteur capital et travail, Domar et Ahod vont projeter cette relation à long terme de Keynes. Ensuite, Solo et Swan qui vont ajouter le progrès technique comme variable résiduelle. Et enfin, les théoriciens de la croissance qui vont intégrer le progrès technique comme étant une variable endogène. On va voir maintenant une définition de la croissance économique. Bien sûr, il existe plusieurs définitions, mais on va retenir deux définitions qui vont se compléter. La première, celle de François Pirot, qui considère la croissance économique comme étant l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension, le produit global net en termes réels pour une nation. Alors, cet indicateur, c'est le PIB réel. Lorsqu'on dit réel, cela veut dire qu'il ne contient pas l'inflation. Ensuite, la deuxième définition, c'est celle de Simon Kuznets, qui va compléter la définition de François Pirot, dans la mesure où Kuznets considère qu'il y a croissance lorsque la croissance économique par tête augmente, c'est-à-dire lorsqu'on a une augmentation des PIB réels par tête ou bien par habitant. Après avoir défini la croissance économique, maintenant, quels sont les différents types de croissance économique? On distingue deux types de croissance économique. La croissance économique extensive et la croissance économique intensive. Tout d'abord, la production ou la croissance économique, il dépend soit de l'augmentation des facteurs de production, le facteur capital et le facteur travail, soit de l'amélioration du progrès technique. Commençons tout d'abord par l'augmentation des facteurs de production. On parle de croissance économique extensive lorsque la croissance de la production est due à l'augmentation des volumes des facteurs de production. Donc, la production augmente suite à un recrutement de travailleurs ou bien suite à un investissement. Dans ce cas, on parle de croissance extensive. Et on parlera de croissance économique intensive lorsque le volume de la production augmente plus que proportionnellement au volume des facteurs de production. La variation de la production est expliquée par l'intégration du progrès technique. Déjà, plusieurs économistes ont cherché à expliquer l'importance du progrès technique dans la croissance économique. Ils ont essayé de chercher l'évolution de la croissance de la production sur une longue durée et la croissance également des facteurs de production. Ils ont remarqué que la croissance de la production est plus que le double de la croissance des facteurs de production. Alors, l'écart s'explique tout simplement par le progrès technique. Regardez, supposons par exemple, on a une croissance de 30% sur une longue durée, une croissance des facteurs de production de 30%, alors la croissance économique va être de plus le double, c'est-à-dire de plus
de 60%. Donc, parmi les 60%, 30% est expliqué par les facteurs de production. Et le reste, c'est-à-dire l'écart, est expliqué par le progrès technique. Alors, on a vu les fondements théoriques, la définition, les différents de la croissance, les différents types de la croissance économique. Maintenant, on va voir quels sont les différents facteurs de la croissance économique. Avant la Seconde Guerre mondiale, la fonction de production repose uniquement sur l'utilisation de deux facteurs de production, le facteur capital et le facteur travail. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'accent a été mis sur d'autres facteurs, le progrès technique, système financier, capital public. C'est pourquoi on va voir successivement le facteur capital, le facteur travail et le progrès technique. Commençons tout d'abord par le capital. Le capital d'une nation se compose de deux types de capitaux. Tout d'abord, les actifs non financiers, c'est-à-dire les machines, les brevets, les stocks, c'est le capital physique. On l'appelle également le capital physique. On distingue également les actifs financiers. Ce sont des valeurs mobilières, les actions, les obligations, les liquidités. C'est ce qu'on appelle le capital financier. Et le facteur travail, c'est tout simplement le volume ou la quantité de travail disponible. On fait le progrès technique. Le progrès technique, d'une manière générale, augmente la productivité des facteurs de production utilisés. Près de la moitié de la croissance économique serait le fait du progrès technique. L'effet du progrès technique a été mis en œuvre à partir de la notion d'innovation développée par Schumpeter, par Joseph Schumpeter, qui définit l'innovation comme étant l'application industrielle et commerciale d'une invention. Il distingue cinq grandes innovations. Celle des nouveaux produits, par exemple, les téléphones portables GSM, les tablettes, les PC portables. Deuxièmement, deuxième type d'innovation, les nouvelles méthodes de production. Par exemple, la pasteurisation. Auparavant, plusieurs produits étaient périssables sur une courte durée, mais avec la méthode de pasteurisation, ils ont pu augmenter leur durée. Ensuite, les nouveaux marchés, l'Internet, le e-commerce, par exemple, les nouvelles sources de matières premières, par exemple l'énergie solaire, éolienne, nucléaire, et les nouvelles organisations des entreprises, par exemple les franchises. Maintenant, on va voir quels sont les différentes fluctuations ou bien cycles économiques. Selon Schumpeter, il n'existe pas d'évolution ou d'activité linéaire dans le temps. Donc, il n'y a pas d'activité économique régulière dans le temps. À des périodes de faible activité succèdent des périodes de ralentissement d'activité. L'évolution de l'activité n'est pas régulière et n'est pas stable et passe par une succession de phases d'expansion, récession, crise, reprise. C'est ce qu'on appelle des fluctuations. Donc, c'est quoi une fluctuation? Une fluctuation,
Ce sont des mouvements de hausse et de baisse qui affectent les économies nationales. Et lorsque ces fluctuations se répètent d'une manière qu'on peut facilement identifier et reconnaître, on les appellera cycles. Donc, c'est quoi un cycle? Un cycle sont des fluctuations facilement identifiables qui se répètent dans le temps, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Les économistes distinguent quatre phases. La première phase, l'expansion. L'expansion est caractérisée par l'augmentation du volume de la production et de la demande à court terme, de 3 à 4 ans. La crise. Ensuite, la deuxième phase, la crise, c'est la période du retournement de la conjoncture économique. Ensuite, la récession. Cette phase se caractérise par un ralentissement de l'activité économique. Enfin, la dernière phase, la reprise, c'est le retour et la préparation vers l'expansion. Les économistes distinguent trois types de cycles. Les cycles courts, les cycles moyens et les cycles longs. Comme cycle court, on va donner l'exemple du cycle de Kitchen. Ce cycle est dit mineur au conjoncturel de 40 mois, par exemple, qui sont nécessaires pour, par exemple, la reconstitution des stocks des entreprises. Ensuite, le cycle de Juglar. C'est un cycle moyen de 6 ans à 12 ans. C'est la période, cette période est nécessaire pour la restructuration de l'appareil de production. Enfin, le cycle lent, comme exemple de cycle lent, il y a le cycle Kuznets de 15 ans à 25 ans. Il porte sur les fluctuations des taux de croissance, par exemple le bâtiment, de 18 ans à 22 ans. Enfin, le cycle, comme cycle de long terme, le cycle Kondratiev, de 40 ans à 50 ans. Il correspond aux révolutions technologiques. C'est ce qu'on appelle les innovations majeures. Comme innovation majeure, par exemple, la révolution industrielle, comme l'apparition de l'Internet, ce sont des révolutions ou des innovations majeures. Enfin, comment on peut mesurer la croissance économique? Il existe plusieurs méthodes pour mesurer le PIB. On va retenir trois méthodes. La première méthode, le PIB est la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée d'une branche, elle est égale à la production totale moins la somme des consommations intermédiaires. La deuxième méthode, le PIB est égal à la rémunération des salariés plus l'excédent brut d'exploitation plus l'impôt à la production et à l'importation versé aux administrations publiques moins les subventions aux exploitations versées par les administrations publiques. Enfin, la troisième méthode, c'est la méthode retenue par les économistes et les économètres d'une manière générale pour évaluer le PIB, car les
éléments qui vont servir pour calculer le PIB sont disponibles, d'accord, à partir des agrégats de la comptabilité nationale. Le PIB est égal à la consommation finale plus l'investissement, c'est-à-dire la formation brute du capital fixe, plus les dépenses publiques, plus les exportations, moins les importations. Le PIB utilisé pour évaluer la croissance est un PIB réel. C'est pourquoi on distingue le PIB nominal et le PIB réel. Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par un PIB nominal? Un prix nominal, c'est le prix qui est, ou bien on l'appelle le prix courant, ce sont les prix affichés par exemple dans les panneaux publicitaires. Lorsque vous allez acheter votre recharge de téléphone, il est payé au prix nominal. Ils contiennent l'inflation, mais le prix réel ne contient pas l'inflation. Comment donc on peut passer d'un prix nominal à un prix réel? Alors, on passe d'un prix nominal à un prix réel en divisant par l'indice des prix à la consommation, qui est un indice synthétique, l'ASPERS des prix. Ensuite, une petite remarque. Il faut distinguer croissance, expansion et développement. On a défini la croissance comme étant l'augmentation quantitative du PIB réel par habitant sur une longue période de plus, par exemple, de 10 ans. Alors que l'expansion, c'est la même définition, mais à court terme, c'est une augmentation quantitative du PIB réel par habitant sur une courte période. Donc, la croissance, c'est l'affaire d'une longue durée et l'expansion, c'est l'affaire d'une courte durée. Enfin, le développement. Le développement est une notion plus globale que la croissance. Pourquoi? Car il concerne un changement de l'ensemble, d'un ensemble de toutes les transformations positives, morales, culturelles, économiques, institutionnelles. Donc, le développement est expliqué par sa variable importante qui est la croissance. Donc, la croissance n'est qu'une variable parmi plusieurs variables qui expliquent le développement. Ensuite, on peut la différence entre la croissance et le développement, c'est que la croissance, c'est une variable quantitative, alors que le développement est une variable qualitative. Je vous remercie et à la séance prochaine.